Émission spéciale élection, on va challenger tous les partis. On a déjà reçu François de Smet de Défi, Georges-Louis Boucher du MR et aujourd'hui c'est le PTB qu'on va challenger avec son porte-parole Germain Mouguema-Gango qui est avec nous dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios réalisé, coproduit avec notre partenaire Immovlant. Bonjour Germain, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Avec alors, plaisir. De base, sur papier, le PTB, l'immobilier, les propriétaires, on n'est pas sur un terrain conquis là. Bah oui et non, parce que nous on est par exemple convaincus qu'il doit être possible pour tout un chacun de pouvoir acquérir sa maison, une forme de sécurité. Je crois qu'on dit souvent effectivement que le Belge a une brique dans le ventre, et en fait c'est évidemment un bon escient, parce que parfois c'est nécessaire pour pouvoir assurer ses vieux jours. Vous nous avez partagé vos trois grandes mesures, nos chroniqueurs, nos experts qui sont là, Anthony Urbain est avec nous, Eric Spitzer, CEO d'Immovlant, toujours là et bien là. Ils auront pour mission de challenger vos trois grandes mesures qu'on va découvrir dans un instant. Il y aura le dossier des chroniqueurs aussi, ils veulent vous challenger sur une thématique bien précise qui risque de vous mettre bien. Vous avez des arguments sur cette thématique-là. Et puis à la fin, ce sera aussi l'occasion de répondre aux questions des auditeurs. Je vous invite dès maintenant à réagir en commentaire sur le WhatsApp aussi de l'émission. Le numéro s'affiche juste ici en dessous. Mais le rituel de ce début d'émission, Germain, je pose la même question à tout le monde. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Non, moi je suis locataire. L'émission s'arrête ici. Merci Germain d'être venu. Locataire, jamais eu l'opportunité ou vous ne voulez pas tout simplement ? Non, c'est juste, moi je suis de Bruxelles là-bas, j'habite Charleroi et à Bruxelles en fait la plupart des gens que d'ailleurs je connaissais étaient locataires. C'est vrai que quand on habite à Charleroi c'est très différent parce que dès que les gens ont la possibilité, ils veulent être propriétaires, c'est un peu différent à Bruxelles. Par contre mes parents ont été propriétaires d'un appartement du côté de Schaerbeek et hélas ils l'ont perdu suite à un divorce qui s'est mal passé et alors ils n'ont plus l'occasion effectivement d'être propriétaires. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas été une obsession pour moi d'être propriétaire. Ah, parce que vous êtes passé par Mons, vous êtes passé quand même par des belles villes wallonnes où il y avait la possibilité d'acheter à très bon prix, Germain. Bah, c'était une des raisons, justement. Ouais. J'ai toujours voulu rester suffisamment mobile. Et, ouais. Et dans ma tête, justement, il y avait un peu une contradiction entre à un moment donné se fixer. Par exemple, Mons, je suis resté que 2 ans. Je savais très bien que ça allait être un bail plutôt limité. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis pas investi dans un tel projet. Et alors, je dois dire que quand on tombe sur des propriétaires un peu plus compliqués, c'est vrai qu'on râle de ne pas être propriétaire. Mais jusqu'à maintenant, dans la plupart des cas, j'ai eu de la chance, tombé sur des gens qui étaient avec qui je m'entendais bien, qui avaient effectivement le même type de vision que moi sur la manière de se loger. Et donc voilà, mes propriétaires, je m'entends bien avec eux. Donc pour le moment, j'ai pas d'intérêt, ou en tout cas d'obsession d'être propriétaire. Il y a toujours un intérêt, et c'est un petit peu ce que tes deux prédécesseurs ici ont dit, même si on n'est pas tout à fait au même endroit sur l'échiquier politique. Mais ça concerne tout le monde, c'est le fait si tout se barre de travers. Voilà, on peut perdre son boulot, les choses, un accident de la vie, une maladie. C'est toujours bien d'avoir un toit et d'avoir un endroit où on peut aller. Donc, évidemment, cet aspect-là, toi, tu t'inquiètes pas trop. Bah, disons que moi, j'ai vécu les deux situations. Donc, comme je le disais, mes parents étaient propriétaires, pensaient avoir une sécurité d'existence avec ça. Et puis, finalement, cette maison, elle a été vendue aux enchères. La sécurité, donc, absolue, évidemment. Voilà. Hein, donc, de ce point de vue-là, donc, moi, j'ai parfois un peu l'impression, on a l'impression de posséder sa maison, mais on en parlera sans doute avec notamment la difficulté des banques. Bah, de plus en plus, en fait, la maison, elle appartient à la banque. Donc, je veux dire, et donc, de ce point de vue-là, moi, je comprends très bien vraiment le sentiment de sécurité qu'on va chercher en étant propriétaire. Soit que j'ai plein d'amis d'ailleurs qui sont propriétaires, donc je comprends très bien, mais moi-même effectivement, comme tu viens de le dire, c'est pour moi un sentiment de sécurité qui est relatif. Oui, tout à fait. Donc, mais le sentiment de liberté a primé pour toi, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération aussi, on en a parlé très peu finalement tout au long des premiers épisodes qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, on a une nouvelle génération aussi qui veut devenir propriétaire, mais qui a aussi envie d'être libre, et donc il consomme d'une manière différente, et l'accès à la propriété, posséder son bien, c'est pas forcément ce que tous les jeunes forcément veulent aujourd'hui, on n'a pas de statistiques, mais c'est aussi la flexibilité, la liberté, pouvoir partir quand on veut, où on veut, ben c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre. Germain, les trois grandes mesures du PTB, il y en a beaucoup plus évidemment, on va se focaliser sur trois, et puis j'imagine que tout au long de l'émission, on va naviguer et on va parler de plein de choses. Le concept, il est simple. Vous allez nous donner une mesure, idéalement en une phrase. Et puis, mes collègues vont noter votre mesure. 1,
c'est pas dingue, 5, c'est super. Puis vous aurez l'occasion d'argumenter, et puis on leur demandera de corriger leurs notes. Les notes négatives sont refusées, d'accord. Donc on essaye de respecter notre invité, s'il vous plaît, Eric et Anthony. Germain, quelle est la première proposition que vous voulez mettre à l'honneur dans cette émission? La première proposition, justement, quand on parlait de l'accès à la propriété, c'est la diminution des droits d'enregistrement, puisqu'en fait, on se rend compte évidemment que de plus en plus de jeunes ont des difficultés de pouvoir avoir effectivement un logement. Le prix global, on aura l'occasion d'en parler, il est beaucoup trop élevé. Et donc, évidemment, tous les à côté qu'on est obligé de payer, que ce soit les frais de notaire, que ce soit le droit d'enregistrement, ou que ce soit même parfois les frais bancaires, nous, on veut pouvoir les diminuer de telle manière à pouvoir justement permettre à un plus grand nombre de gens d'accéder à la propriété. Diminution, vous notez, Eric et Anthony, diminution des droits d'enregistrement, des frais de notaire. Vous avez très peu l'utilisé, vous. À la fin, pourquoi pas, ça peut être sympa. On vous laissera les noter aussi. Une note de 1 à 5, je le rappelle. 1, c'est pas dingue. 5, c'est super. Et vous aussi, vous réalisez. Vous notez en commentaire cette vidéo sur YouTube. Alors, diminution des droits d'enregistrement. Eric, à ce stade-ci, une note de 4 sur 5. 4, évidemment. Et 4, 4 sur 5 aussi pour Anthony. Mais la question... C'est plutôt pas mal. Une note, une note d'encouragement. Mais il y a quand même des zones encore qu'on va devoir un peu éclaircir. Eric, quand on entend diminution des droits d'enregistrement, quelle est la question qu'on a envie de poser? C'est de toute façon une bonne mesure de diminuer les droits d'enregistrement, parce que ça diminue les droits d'enregistrement, ça porte un nom un peu sympathique, un peu savant, c'est une taxe, hein. Ça n'est rien d'autre qu'une taxe. Exactement. C'est comme de la TVA, comme de l'impôt, c'est un impôt. Donc diminuer l'impôt, celui qui ne veut pas ça, faut me dire qui c'est. Par contre, moi juste ma question, c'était dans quelle mesure, j'imagine que c'est pour le premier logement, pour l'acquisition d'un logement, et c'est dans quelle mesure? Est-ce que vous l'exonérez complètement? Est-ce que vous passez de 12,5 à 6, à 3? Vous avez déjà une idée plus précise? Nous, on veut discuter avec les secteurs par rapport à ça, parce que c'est intéressant, on a toujours évidemment des préjugés l'un sur l'autre quand on parle d'immobilier. Nous, on a été par exemple contactés par la Fédération des notaires, donc, pour avoir une discussion dans l'ensemble des mémorandums qu'on rencontre, et j'étais déjà surpris de voir à quel point la Fédération des notaires elle-même était inquiète du fait que les gens n'arrivent plus à acquérir de logement. Parfait. Et donc là, ils parlaient plutôt de diviser par deux, en fait, le droit d'enregistrement. Nous, on veut pouvoir discuter avec les secteurs pour voir dans quelle mesure on doit le diminuer. Est-ce qu'on doit l'exonérer tout à fait ou en tout cas le diviser par deux? Ce qui est en tout cas très clair, c'est qu'on veut pouvoir diminuer tous les obstacles qui existent au fait de pouvoir acquérir un logement. Et effectivement, comme vous venez de le dire, c'est la question effectivement de dire que c'est pour le logement d'habitation. Donc, on veut vraiment faire la différence entre le logement finalement de profit ou de spéculation et le logement d'habitation. Parce que ça, c'est le problème qu'on a. C'est le phénomène Tanguy auquel on est, je crois, tous confrontés, des jeunes qui pensent pouvoir habiter dans les 2, 3, 4 ans déjà seuls. Et en fait, finalement, doivent rester parfois 8 ans, 10 ans, parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir acquérir un logement. Et l'autre élément aussi qui est important aussi, c'est la question de l'apport. Donc le fait de devoir avoir un apport important, évidemment, empêche pas mal de gens de pouvoir effectivement acquérir un logement. Et donc c'est ces obstacles-là qu'on veut effectivement pouvoir diminuer. Pour l'apport, on va y revenir dans un instant. Mais sur les droits d'enregistrement, Germain, vous qui êtes assez radical, parfois dans les mesures, qui n'avez peur de rien, pourquoi on ne va pas directement sur la suppression des droits d'enregistrement? C'est simplement parce que nous, moi je ne suis pas un pro du secteur, simplement ça. Donc je pense effectivement que c'est vraiment important de pouvoir, et c'est aussi comme ça que nous on travaille, pouvoir consulter les personnes qui sont directement concernées pour voir c'est quoi la meilleure mesure. Ça c'est un élément. L'autre élément aussi, c'est qu'on doit le savoir, on doit le compenser. On doit le compenser. Donc évidemment, la région va devoir trouver effectivement les moyens nécessaires pour compenser ça. Et donc, il faut absolument que la mesure d'exonération ou de diminution soit en rapport avec la mesure de compensation. Sinon, de toute manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une tendance, certainement dans certaines formations politiques, de prendre d'un côté pour aller finalement donner de l'autre ou l'inverse, quoi. Donc, et ça, évidemment, on ne veut pas avoir ce genre de mécanisme-là. Anthony. Parce que ici, tu parles de diminuer effectivement les frais. En Flandre, ils n'ont pas fait diminuer par deux, ils ont diminué par quatre au final. Il y en a 12 et là 3, donc pourquoi? Enfin, pourquoi ce serait pas possible ailleurs, quoi. Mais Anthony, Eric, Germain, dit, moi j'aimerais bien discuter avec le secteur. Jour de chance, Germain. Vous avez deux personnalités du secteur. Je savais qu'en venant ici, j'allais apprendre des choses. Anthony et Eric, c'est quoi pour vous le bon pourcentage? Pour moi, le bon pourcentage, de nouveau, il y a quelque chose que je n'aime pas du tout chez les politiques, c'est le « on rase gratis ». Donc évidemment, voilà. Moi je me dis que ça doit diminuer autant que possible. Pour un primo-acquérant, celui qui veut acheter son logement, ça doit diminuer le plus possible. Maintenant, effectivement, je trouve que la réponse, pour le coup, est censée et paracoleuse de dire on va mettre à zéro, il faut mettre à zéro. Non. Est-ce que c'est 6? Est-ce qu'on peut faire 6? On sait qu'à Bruxelles, les finances ne sont quand même pas au mieux. On sait qu'au niveau fédéral, les finances non plus ne sont pas au mieux. En Wallonie non plus. Ça, tu sais. En Wallonie non plus. Je pensais que la Wallonie, c'était blindé. Si, au top. Okay. Au top. Il y a aussi un petit problème de finances. Donc, on sait que les finances publiques, en général, ne sont pas au mieux. Donc, il faut voir un peu ce qui est possible. Mais en tout cas, c'est
clair que dire les deux, le combo des deux est compliqué pour un candidat acquéreur. Il doit faire un effort propre et il doit payer les droits d'enregistrement. Ben, si on réduit déjà les droits d'enregistrement à 5%, par exemple, ben, ça fait sur un bien 200 000 euros, ça fait déjà une économie considérable. Et puis en plus, ça n'importe, les droits d'enregistrement, ça n'apporte aucune plus-value. Tu vois, je peux encore comprendre que tu dises, bon, tu fais un effort sur ton logement, parce qu'au final, quelque part, c'est de l'argent que tu peux récupérer, effectivement, en cas de vente, sauf vente malheureuse, mais dire, une vente normale, tu vas les récupérer, que tes frais de notaire, entre guillemets, tes droits d'enregistrement, jamais. C'est de l'argent perdu, quoi. C'est de l'argent donné à l'État. Basta. Bah c'est une taxe en fait. Hein. Ah, c'est donc, ça, clairement. C'est et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une réflexion plus globale à avoir. Évidemment, ici, on parle d'immobilier, mais on sait très bien qu'un des échecs du gouvernement Viotti, c'est la réforme fiscale dans son ensemble. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, il faudrait un peu réfléchir à la fiscalité qui s'impose aux gens dans leur ensemble. On paye finalement des taxes quand on va chercher du carburant, quand on achète une maison, même quand on sort ses poubelles en Wallonie. Donc, je veux dire, de ce point de vue-là, il y a une réflexion d'ensemble à avoir pour justement, quelque part, réduire la pression fiscale sur justement les épaules des travailleurs, des indépendants, des gens, effectivement, qui font fonctionner la Belgique et pour effectivement aller chercher les moyens ailleurs. C'est dans ce cadre-là qu'effectivement on doit avoir une réflexion à la fois radicale mais raisonnée pour dire à un moment donné voilà, il faut absolument pouvoir avancer dans le bon sens. Alors ici c'est vrai qu'on a pris cette mesure de manière isolée, on est tous tout d'accord, je pense que tous les partis aussi ont envie de diminuer ces droits d'enregistrement, mais cette mesure, toutes celles que vous mettez dans votre programme font qu'à un moment donné on va vous poser la question quand même du rasé gratis et à quel moment on va financer tout ça, mais on y reviendra. On continue. Il y a une taxe sur les grandes fortunes. C'est un des éléments durs, pas que d'ailleurs. On va en parler dans un instant. Est-ce que je dois vraiment vous demander de renoter? Je pense qu'on reste sur 4, on est d'accord sur cette première mesure. On n'en parle pas maintenant, mais rapidement, parce que souvent lié au droit d'enregistrement, on parle aussi du précompte immobilier. Il y a une mesure chez vous par rapport au précompte immobilier? C'est d'envisager effectivement la diminution du précompte immobilier, encore une fois, sur l'habitation qui sert à ce que les gens puissent se loger. Pas la suppression? Donc, pas la suppression, encore une fois, pour être justement un peu raisonnable par rapport à ça, mais envisager. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une différence qui n'existe pas suffisamment entre la personne qui veut habiter quelque part et la personne qui en fait un business. Et de faire cette différence-là, c'est ça en fait le plus important. Et pour ça, il y a une série de mesures à prendre au niveau de la taxation, mais on va en discuter aussi au niveau des banques, par rapport justement à permettre cette première acquisition. Et après, évidemment, les gens qui veulent faire du business dans le secteur, il faut du business dans le secteur, c'est autre chose. Et là, pour le moment, il y a une grande confusion entre les deux. On traite les uns comme les autres et ça ne va pas. Première mesure, pour le moment, on démarre tout en douceur. Tout le monde est d'accord. Très bien, vous réagissez. Je le répète, le numéro s'affiche ici en dessous sur WhatsApp ou en commentaire de la vidéo sur YouTube. Les meilleurs moments aussi sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Vous n'avez pas le temps, vous allez sur Insta, les meilleurs moments sont là. On bosse dans cette émission. Anthony, Eric, une deuxième mesure, tenez-vous prêt, préparez votre marqueur. Deuxième mesure du PTB, quelle est cette mesure que vous voulez mettre à l'honneur? Nous, on veut en fait une régulation des loyers. Donc, on constate quoi? On constate effectivement que de plus en plus de personnes, on a parlé des personnes qui veulent acquérir un logement, mais même ceux qui veulent louer un logement, ça devient de plus en plus compliqué. Certainement dans des villes comme à Bruxelles. Donc, on voit maintenant que pour pouvoir louer, ma soeur, elle a déménagé par exemple, elle habitait Bruxelles, elle a dû sortir de Bruxelles. Ouais. Donc, parce qu'en fait, tous les loyers qu'elle avait, c'était entre 1300 et 1400 euros par mois. C'était impossible pour elle de payer ça. Et donc, on veut une régulation pour deux raisons. Parce qu'on pourrait croire que ça ne vaut que pour les. Que ça profite qu'aux locataires. En fait, c'est pas juste. Parce qu'en fait, je suis de Charleroi. Et à Charleroi, il y a ce qu'on appelle le phénomène des marchands de sommeil. Donc, il y a effectivement des propriétaires indélicats qui mettent des logements ou des studios, en fait, qui n'en valent pas la peine, à des prix qui sont effectivement beaucoup trop élevés. Et moi, je connais beaucoup de propriétaires qui veulent jouer le jeu, eux. Qui veulent mettre, en fait, sur le marché des logements qui sont corrects, à des prix corrects et des logements qui sont salubres. Et donc, si on veut pouvoir réguler les loyers et favoriser le propriétaire qui joue le jeu, ça nous paraît important d'avoir une réglementation effectivement contraignante des loyers. Une grille contraignante des loyers. Vous réagissez, vous notez vous aussi en commentaire. Anthony et Eric donnent une note. Et voilà, c'est maintenant que ça va démarrer cette émission. Voilà, Germain, là ça commence à chauffer. C'est 1 sur 2, c'est ça? 1 sur 5, va falloir argumenter. Eric, Anthony, qui commence à challenger Germain? Et les contre-arguments m'intéressent. C'est pour ça qu'on a mis cette émission en place. Eric, j'y vais. Un contre-argument, vas-y. En douceur. Non, d'abord, l'aspect des. Je vois pas tout à fait le rapport entre un propriétaire correct et un marchand de sommeil. Je l'ai dit lors de la précédente émission avec François de Smet, je le redis aujourd'hui, le marchand de sommeil, c'est un salaud. Je veux dire, c'est pas dans le marché immobilier, c'est un type qui exploite la misère des gens, qui exploite la faiblesse. Et je dis, ça doit pas, même pas, c'est criminel, ça ne doit pas intervenir dans le débat. Donc, partons du principe qu'on exclut les marchands de sommeil du débat et qu'on parle
de ceci. Des gens qui veulent louer un bien. Pourquoi est-ce que, moi je trouve que c'est pas une bonne mesure de la faire contraignante? Simplement parce que, un, sur quels critères on va déterminer le loyer? Quelles vont être les contraintes? Est-ce que la personne qui, tout d'un coup, bon, va attendre un rendement de son bien immobilier, vous savez, tout le monde n'est pas, enfin, ce sont pas tous des spéculateurs assoiffés de sang et des vampires, hein, je veux dire, il y a des gens, gens qui possèdent peut-être un ou deux petits appartements qu'ils mettent en location pour améliorer le quotidien à la pension, parce que la pension, on sait très bien que aussi les finances de l'État sont passées par là et c'est pas évident, donc. Est-ce que ces gens vont pouvoir continuer de rembourser leurs prêts? Est-ce que ces gens vont vouloir continuer de mettre en location? Est-ce que quelque part il va pas y avoir un effet pervers par rapport à ça? On va dire bon ben si on me dit ce que je dois mettre en location et c'est pas assez, ben je n'investis pas. Est-ce que la qualité des logements va pas s'en retrouver diminuée? Parce que si on fait une rénovation, qu'on investit et qu'on se dit ben je vais pouvoir tirer un loyer un peu plus important alors qu'on est contraint par un loyer maximum, ben on dit non, alors je vais aller entre guillemets mettre du matériel de piètre qualité et finalement la qualité des logements sera sans doute de moindre. Donc est-ce que quelque part il n'y a pas des effets, enfin je pense qu'il y a des effets négatifs par rapport à ça et que ça va décourager l'investissement immobilier qui pour moi est vertueux, hein. On ne parle pas des marchands de sommeil, hein. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est vertueux pour moi. Vous vouliez des arguments, il y en a une série là. Oh, tout à fait, bien sûr. Droit de réponse, bosser, hein. Droit de réponse. Germain. En fait justement, d'abord le premier élément c'est que cette proposition de régulation en contrainte de loyer, c'est pas une invention du PTB, ça existe dans plusieurs pays en fait. Hein. Donc ça existe aux Pays-Bas, ça existe en France, donc où il y a une régulation des loyers. Et comment ça se fait très concrètement? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la fourchette. C'est qu'on dit à un moment donné, voilà, je suis locataire, je loue un bien à 750 €, ok. J'estime qu'à un moment donné, il y a un problème par rapport à la qualité du logement. Je vais regarder sur cette grille et tu poses la question des critères. Les critères, en fait, ils sont connus et déjà utilisés par la Région Wallonne, mais pour des raisons incitatives. Ça veut dire la salubrité, la luminosité, la situation du logement. Avec tous ces critères-là, eh ben, on va donner une fourchette. On va dire, voilà, en fait, ce logement, bah, il devrait être plutôt entre 650 et 750 €. Et si on ne la dépasse pas, on ne la dépasse pas. Et si on la dépasse, alors il y a ce qu'on appelle effectivement un conseil auquel on peut soumettre son loyer, un conseil paritaire, propriétaire, locataire, et associatif d'ailleurs, ou alors on peut à un moment donné contester son loyer. Donc en tout cas, la méthode, la manière de le faire, elle est plutôt connue. Mais c'est contraignant Oui, bien sûr. En Hollande, c'est contraignant. Et en France, c'est contraignant. Parce qu'en Wallonie, c'est pas contraignant, bien sûr. J'ai complètement l'impression qu'à Paris. Ouais, j'allais dire. Ah, bah oui, mais donc, c'est ça qui est particulier, justement. Quelque part, c'est un contre-argument à ton contre-argument. Puisque, en fait, même avec cet élément contraignant qui existe à Paris, les loyers restent élevés. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'en tout cas, pour ce qui est de la rentabilité pour les propriétaires qui sont à Paris, c'est pas ça qui est remis en question. Ce qui est remis en question, c'est la possibilité pour le locataire qui, alors évidemment, est dans une situation sans rapport de force, j'ai envie de dire, ou avec un faible rapport de force, de pouvoir dire non mais là vous exagérez, parce que c'est je ne t'en veux pas par rapport à ça, mais c'est bien commode dans ton raisonnement d'évacuer les marchands de sommeil. Parce que le problème c'est que dans les grandes villes c'est un véritable problème. Donc à Charleroi t'as le souci qu'effectivement des gens avec 700 € de loyer ben louent des trucs dans lesquels t'aurais pas envie d'habiter. Ce que je veux dire, une des seules manières justement de contrôler ça, c'est de pouvoir leur opposer une grille objective. C'est une des seules manières de pouvoir le faire. Et de cette manière-là, alors on exclut les marchands de sommeil et reste alors ceux qui veulent correctement jouer le jeu. Ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on doit lutter contre les marchands de sommeil avec une grille de loyer. Bah pour le moment, les autres méthodes, en tout cas, n'ont pas fonctionné. Ça, c'est le problème. À Charleroi, ils ont dit, à un moment donné, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va envoyer des gens aller sonner aux portes, visiter les logements et mettre des arrêtés d'inhabitabilité. Et en fait, ça n'a pas empêché les marchands de sommeil, 15 jours plus tard, de mettre une porte pour feu et puis de recommencer. Et tu parlais de Paris tout à l'heure, tu dis bah justement voilà, les loyers continuent d'être super élevés, etc. Donc au final, bah, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Puisque à Bruxelles, effectivement, tu vas toujours avoir cette loi d'offre et de la demande, où tu vas avoir des gens qui viennent de l'étranger parce que capitale de l'Europe, etc. Et donc tu vas avoir des loyers qui vont continuer d'être élevés. Donc est-ce qu'à Paris ça se passe comme ce que tu viens de dire, avec, je sais pas moi, présenter un dossier par exemple pour dire bah écoute, ça se passe comme ça, c'est comme ça à Paris aussi? C'est comme ça que ça se passe à Paris. Et en fait, toutes les études démontrent que s'il n'y avait pas cette régulation qui est relativement faible, mais qui existe et qui est contraignante, ce serait encore pire à Paris. Encore pire. En fait, ça, c'est la situation. Et donc maintenant, on voit qu'à Bruxelles, parce que je veux d'abord répondre, et je pense que vous aussi, et tout à l'heure, je parlais de la Fédération des notaires, par exemple, ils voulaient répondre à ça aussi, c'est la situation sociale qui est en train de s'aggraver. Mmh. Donc on est au niveau de l'immobilier face à une bombe sociale. Et c'est une bombe sociale qui éclate
au détriment des locataires, mais aussi au détriment des propriétaires et même de ceux qui voudraient investir. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des logements qui ne sont pas forcément qualitatifs, des logements qui sont très chers et des logements aussi où on ne trouve pas preneur. Ça, c'est un des problèmes qu'on a et c'est ça qu'on veut essayer de résoudre. Est-ce que ce n'est pas un peu la loi de la jungle justement par rapport au capital et ça, parce que ce n'est pas que chez nous? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu parles, que ce soit ici à Paris, que ce soit. En fait, dans les grosses capitales, malheureusement, si je peux dire ça, c'est comme ça partout. Quoi, Ce que tu viens de dire est vraiment fondamental. Parce que la question, justement, du droit d'avoir un toit sur sa tête. Donc, il y a actuellement, par exemple, en Wallonie, 19 000 personnes qui n'ont pas de toit sur leur tête, surtout des femmes et des enfants. Ce droit-là ne peut pas être négocié. Ce droit-là est un droit fondamental. Et donc, on doit pouvoir articuler ce droit fondamental avec, effectivement, un secteur qui est aussi un secteur économique. C'est ça, la difficulté. Et donc, si on ne le fait pas avec un minimum de régulation, alors on aboutit à des situations telles qu'on a maintenant. Je crois que, si vous habitez Bruxelles, vous le voyez. Moi, à Charleroi, je le vois très bien. Le nombre de gens qui sont maintenant dans la rue et qui sont que le sommet de l'iceberg, c'est quand même terrible. Et donc, on doit répondre à ça. Mais alors, évidemment, et ça, c'est peut-être la troisième mesure à laquelle on va arriver, ce n'est pas seulement à l'acteur privé d'y répondre. Hein. Ça, c'est clair. L'acteur privé, ce n'est qu'une partie de la réponse. Et donc pour nous, effectivement, l'acteur privé, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer le jeu franchement, donc j'entends ce que tu dis par rapport à ça, et ben, je pense effectivement qu'avec une régulation qui doit être alors concertée sur le fait que les critères doivent être évidemment le résultat d'une concertation et pas d'une imposition du politique, mais d'une concertation, moi je pense qu'il y a moyen effectivement d'avoir ce type de régulation stricte qui sera favorable aux locataires, mais aussi aux propriétaires qui veulent franchement jouer le jeu. Anthony, moi je ne suis pas très malin et je vais te demander de réagir à ce que je vais dire là. On a une augmentation des taux, on a une augmentation des prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui investissent et qui, même avec le loyer qu'ils perçoivent, n'arrivent même pas à rembourser la totalité de leur crédit. Si maintenant on a une grille de loyer contraignante, ça va être peut-être encore plus difficile, non? Est-ce que donc on n'aurait pas un effet pervers, comme Eric l'a évoqué, que moins de gens vont acheter pour mettre des biens en location, mais vont juste acheter leurs biens pour eux, et donc on aura moins de logements mis à disposition pour la location sur le marché? Ça peut être un risque aussi, de la grille contraignante, non? Oui, et moi je pense que c'est vrai que ça existe dans plusieurs pays, l'Allemagne aussi, et en fait ça fonctionne assez bien en Allemagne, d'après ce que j'ai lu, et ça fonctionne assez bien en Allemagne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements disponibles en Allemagne. Mmh. Et donc je pense que la première considération à avoir, c'est malheureusement peut-être pas dans, on va dire, la doctrine du PTB, mais c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Et le problème en Belgique, et spécifiquement dans les grandes villes, c'est qu'il y a une pénurie de logements. Tout à fait. Et une pénurie de logements de qualité. Et je pense que contraindre quelque part au niveau des loyers, c'est une emplâtre sur une jambe de bois, il faut construire beaucoup plus de logements. Et à mon avis, si on construit beaucoup plus de logements, par le mécanisme du marché, ça va beaucoup plus se réguler. La conséquence de ce que tu dis, c'est que la régulation des loyers qu'on propose pourrait par exemple être temporaire. Ça pourrait être une situation, une mesure temporaire. Ça me fait réfléchir ce que tu es en train de dire. Mais je voulais réagir à ce que tu disais. En fait, vous le savez mieux que moi, il y a différentes sortes de propriétaires. En gros, il y a trois sortes de propriétaires. Il y a le promoteur immobilier qui est largement multipropriétaire. Okay. Il y a le propriétaire qui a sa propre maison et peut-être une, deux, trois maisons en plus parce qu'effectivement, c'est un rapport économique intéressant et effectivement, en termes de revenus, c'est intéressant. Et puis, il y a le propriétaire qui possède que sa maison. Je dirais que ça, c'est les trois sortes de propriétaires. Le problème qu'on a dans une situation effectivement de western où il y a une liberté totale en termes de fixation des loyers, c'est qu'en fait, celui qui donne le là, c'est pas les deux sortes de propriétaires qui ont moins de moyens, c'est le promoteur qui donne le là. Donc, en fait, quand on regarde le pourcentage, 10% des propriétaires possèdent presque deux tiers des terrains à bâtir, des bureaux, et des maisons et des bâtiments. Et en fait, c'est eux qui donnent le là. Parce que pour eux, c'est intéressant de faire évidemment augmenter les loyers. C'est un rendement tout à fait intéressant. Tandis qu'effectivement, pour ceux des deux autres groupes, en fait, faire monter les prix de l'immobilier, c'est seulement intéressant à moitié. Parce que s'il n'y a pas la marge entre ce que tu as emprunté et ce que tu vas pouvoir aller chercher, c'est pas intéressant. Et donc, c'est de ce point de vue-là que nous, quand on parle de régulation stricte des loyers, on ne vise pas en premier lieu les petits propriétaires. On vise ils vont être impactés aussi. Mais justement, ça c'est la manière dont on va le mettre en place, évidemment. Okay. Comme je l'ai dit, la question des critères est vraiment importante et les critères doivent être négociés. Mais la situation actuelle, c'est quoi? La situation actuelle, c'est qu'on a une grille incitative ou indicative. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai été faire, par exemple, le calcul pour mon propre loyer. Okay, et donc, je vois qu'il y a un hiatus important entre ce que je paye et ce que je devrais payer selon la grille indicative. Je vais faire quoi de cette information-là? Je ne vais pas aller voir mon propriétaire pour lui dire que je pars, tu vois? Donc, de ce point de vue-là, cette grille indicative n'est pas une réponse, en tout cas. Elle ne va rien changer, en fait, à l'évolution des loyers. Éric Anthony, 30 secondes encore pour challenger Germain. Juste pour mon information, c'est quoi la différence?
250 euros. Si je peux me permettre, sur un loyer de combien ? Et donc, mon loyer, il est de 900 euros. Il vient de passer à 900 euros. Que tu payes ? Que je paye. Effectivement. Effectivement. Ouais. Okay. Et en fait, d'après la grille des loyers, je pourrais payer jusqu'à 250 euros en moins. Donc, c'est quand même une différence importante, c'est une idée. Oui, voilà. Significative. Et surtout, justement, pour les plus petits multipropriétaires, si je peux dire ça, que tu vises, ou en tout cas de qui tu parles aujourd'hui, puisque c'est eux, justement, qui auront le plus de mal. Justement, des gros promoteurs, etc. Eux, 250 euros, ok, pourquoi pas. Mais les petits multipropriétaires, 250 euros. En fait, c'est pas ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est qu'évidemment, pour un promoteur immobilier, c'est comme un investissement à la banque, tu vois. Donc, si le pourcentage, le retour sur investissement n'est pas de 10 ou 15%, pour eux, ça les intéresse pas. Ils pourraient alors investir dans n'importe quel autre secteur. Ouais, mais ça, c'est la situation. C'est mais là où tu as raison, c'est que je veux pas considérer le multipropriétaire ou le promoteur immobilier comme mon propriétaire, par exemple, qui était un petit propriétaire, donc il est prof de sport, lui. de ce point de vue-là, il faudra prendre des mesures pour tenir compte de ces différentes sortes de propriétaires. Mais si on ne part pas du point de vue que, justement, on ne doit pas partir avec des préjugés, qu'un propriétaire est forcément, tu le disais tout à l'heure, bah voilà, quelqu'un qui est riche à millions. Non, ce n'est pas la situation, ça je le sais très bien. En tout cas, je retiens qu'il y a une possibilité de rendre ça contraignant, mais limité dans le temps. Donc c'est une nuance qui est apportée grâce à vous et à vos raisonnements. On est là pour ça aussi. 1 sur 5, est-ce qu'on augmente un peu la note ou on la diminue? Moi, on l'a diminué, mais le secteur vous regarde, chers amis. On l'appelle. Est-ce qu'on est gentil ou pas? Je sais pas. Mais on va être gentil. Et vous aussi, vous continuez à réagir en commentaire. Le débat continue. Malheureusement, on est pris par le temps. Moi, je donne. Moi, je donne 2. Je double ma note quand même. Quand même. Moi, je la triple. Anthony Urbain, j'y mets 3 sur 5. En fait, Anthony, c'est quoi les arguments qui tombent plus rapidement? En fait, c'est pas tellement. Non. En fait, c'est pas tellement. Juste plus gentil que toi, à mon avis. C'est pas tellement les arguments. Ce que j'aime bien, c'est que c'est. Enfin, allez, dans ce qu'on dit, après, il faut voir le comment. C'est toujours le problème. On dit, bah voilà, en fait, c'est pas ces propriétaires-là qu'on vise, on vise plutôt ceux qui ont effectivement beaucoup plus de propriétés, je peux dire ça, qui sont multipropriétaires fois. C'est ça que je trouve intéressant. Tu viens de perdre 10 clients. Parfait. Avec les propos impeccable. Que tu viens de tenir. Aucun problème. C'est courageux, je sais. J'assume. Mais on a des chroniqueurs courageux. Je vois. On continue à découvrir les mesures. Dans un instant, ce sera le dossier des chroniqueurs avec une thématique que vous attendez. Hein. Vous êtes blindés. Enfin, blindés, là, je parle n'importe comment. Vous êtes plusieurs. Mais j'ai très, très chaud. Vraiment, j'ai l'impression d'être à la plage, là, les gars. Je commence vraiment à avoir du mal. Vous êtes nombreux à répondre, à nous poser la question de la taxation des loyers. Voilà, je l'ai déjà évoqué. On en parlera dans un instant. Dernière grande mesure du PTB. On écoute la mesure en une phrase et puis vous notez, les amis, vous préparez votre petit marqueur. Merci de mettre une note et pas des petits dessins. C'est justement lié aux deux débats qu'on vient d'avoir maintenant. C'est que effectivement, les prix du marché sont très hauts. Et une des raisons pour lesquelles les prix du marché sont très hauts, c'est qu'en fait, il n'y a pas de large parc locatif public pour en fait rendre le marché plus serein et plus modéré. Et donc, on a en Wallonie, par exemple, on a 7% du parc locatif qui est dans les mains du public. Okay, donc, ce qui est fort peu, c'est qu'il ne donne pas la possibilité au public d'avoir un levier sur les prix. Or, si maintenant, on parle de la situation des Pays-Bas, par exemple, ou de Vienne, donc à Vienne, par exemple, ils ont entre 22 et 23% du parc locatif qui est public. Et ce n'est pas seulement un parc locatif social, justement, ça qui est intéressant. C'est un parc locatif dans lequel, effectivement, des gens qui ont effectivement des difficultés économiques peuvent aller habiter. Mais il est tellement large qu'en fait, des gens qui ont un salaire peuvent aussi aller habiter avec des prix effectivement inférieurs au marché, mais supérieurs aux prix payés par les allocataires sociaux, par exemple. Ce qui rend d'ailleurs la possibilité d'avoir ce type de société de manière budgétairement qui tient, qui est tenable. Et donc ça, ce serait évidemment la vraie solution pour nous sur la question de la diminution des prix et pour enlever justement la maîtrise des prix aux promoteurs immobiliers dont on a parlé tout à l'heure. Parce que ça aurait alors un effet positif, aussi bien sur les niveaux de location que sur les niveaux de l'acquisition. Et donc on fait quoi? On oblige les promoteurs à avoir un pourcentage de logements Non, en premier lieu, c'est pas ça. En premier lieu, c'est que les sociétés de logement qui existent maintenant, donc il y a maintenant 60 sociétés de logement, et donc nous on trouve ça d'ailleurs, c'est une aberration totale dans un pays comme la Belgique. Donc il faudrait avoir évidemment une ou deux grosses sociétés de logement qui puissent construire des logements en fait. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant pour le secteur. J'ai une discussion avec le secteur de la construction par exemple qui dit que évidemment il serait vraiment preneur de ça, évidemment, parce qu'ils souffrent aussi. Et donc de pouvoir construire des logements publics de manière tout à fait massive. Et d'autre part, ça c'est pour nous secondaire, mais c'est un des éléments, c'est la question des charges d'urbanisme. Ça veut dire que dans tout projet de gros promoteur immobilier, il existe déjà des charges d'urbanisme. Et une de ces charges d'urbanisme pourrait être de dire, tu pourrais construire 30% par exemple de logements publics dans le projet de promoteur immobilier. Je vois ça à Charleroi par exemple, ils sont en train de construire des logements de luxe près de la Sambre. Bah là, on pourrait dire, bah alors il faudrait aussi avoir des logements abordables dans ce projet-là.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que Germain nous a donné. Une note pour plus de logements sociaux avec les premiers infos. Public et sociaux, c'est pas la même chose. C'est public, en fait. Public, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Vous mettez une petite note. Eric nous met une note de 3 sur 5. Anthony nous met une note de 2. On challenge rapidement cette mesure. Eric, tu es plutôt pour ? Oui, construire plus de logements, je suis pour, évidemment. Investir au niveau du public dans le logement, je suis pour, évidemment. C'est une bonne mesure. Maintenant, deux remarques. La première, effectivement, des pléthores de sociétés de logements sociaux, et il se trouve que je vis avec quelqu'un qui est avocat et qui défend des sociétés de logements sociaux. Et au niveau de la gestion, de la lourdeur administrative, c'est pas du tout efficace, nous nous voilons pas la face, c'est bien intentionné, mais est-ce que ça fonctionne bien ? J'ai envie de dire non. Est-ce que le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics ont la vocation de devenir quelque part promoteur immobilier ? Je suis pas convaincu. Mmh. Donc ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est aujourd'hui, effectivement, il y a le marché et les logements sociaux, et j'ai l'impression que ton idée, c'est un petit peu de faire de trouver une espèce d'intermédiaire là-dedans pour les logements modérés. Ben, y a un machin qui s'appelle les AIS aussi. Et donc, moi, je pense que ça remplit déjà un peu une fonction, et justement, le privé intervient beaucoup plus là-dedans, et je me demande si c'est pas plus, on ne devrait pas plus pousser le développement des AIS. Les AIS, c'est vrai que chaque parti nous propose une version revisitée, améliorée, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que les AIS, c'est une bonne solution. Vous, les AIS, vous en faites quoi ? Ben justement, c'est intéressant, parce que les agences immobilières sociales, ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est de ça qu'on parle. En soi, c'est une bonne idée. Ça permet notamment de mettre des bâtiments privés, finalement, à finalité sociale, entre guillemets. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qu'on constate, c'est que la quantité, justement, de logements qui sont sous les AIS, et d'ailleurs sous quelque forme de contrôle public que ce soit, est tellement faible que, finalement, ce n'est pas les AIS qui dictent le prix global, c'est le prix global qui dicte le prix aux AIS. Et donc, on voit, par exemple, quand on parlait de rentabilité, à Bruxelles, on a un phénomène un peu étrange. C'est qu'on a des promoteurs immobiliers, pas des petits propriétaires, mais des promoteurs immobiliers qui vont prendre leurs logements et qui vont les mettre dans le cadre des AIS, parce que vu la montée des prix, ça reste intéressant de le faire. Donc, c'est là qu'il y a un problème, évidemment. Ça veut dire qu'une bonne initiative est en train de se traduire, finalement, de se transformer en quelque chose qui, en tout cas, n'influence pas de manière massive les prix. Et pour moi, j'ai pas de tabou sur la question AIS ou autre méthode qui pourrait influencer le prix. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est que toutes ces initiatives sont tellement faibles en nombre que ça n'empêche pas la montée des prix. C'est ça, en fait, pour moi, l'essentiel. Et que, de ce point de vue-là, je ne sais pas si l'État a vocation, ad vitam aeternam, à avoir, effectivement, un rôle de promoteur immobilier. Mais, en tout cas, dans l'état actuel des choses, dans les grandes villes comme Bruxelles, comme Charleroi, ou comme d'autres villes européennes, si on n'a pas ce levier-là, eh ben, alors évidemment, comme je l'ai dit, ceux qui dictent les prix, c'est pas ceux qui ont intérêt à ce que les gens aient un véritable logement. Après, je challenge un peu aussi, parce que moi, j'ai grandi dans des logements sociaux, j'ai assisté à la fusion de plusieurs. Bien sûr. Justement, ça n'a pas servi l'intérêt des locataires, la qualité des logements. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'encore fusionner, d'encore aller plus loin ? Est-ce qu'on va vraiment avoir une meilleure qualité du bâti ? Mais je voulais répondre à ta remarque qui est juste, c'est que, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est pas une question de mauvaise gestion. Quand tu vas regarder, par exemple, discuter avec les directeurs de logements sociaux, directeurs et directrices de logements sociaux, eux, ils savent très bien comment ils doivent gérer leur affaire. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que des partis comme le PS, par exemple, et d'autres partis utilisent, en fait, ces sociétés de logements pour distribuer des mandats. Soyons clairs, si on va avoir un langage clair, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, au lieu d'avoir une gestion, en fait, rationnelle de la chose publique, qui pourrait, par exemple, permettre à ces sociétés de logement de construire des logements modérés, à loyer modéré, des logements, justement, où on peut accueillir aussi des travailleurs et des logements sociaux pour avoir une bonne gestion, en fait, on se rend compte que la région Wallonne n'est pas du tout en train d'aller dans cette direction-là. Je prends un seul exemple. Il y a les directeurs de logements sociaux qui disent « Laissez-nous, nous, construire ». Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est tous les comptes des logements sociaux sont, en fait, fusionnés en un seul qui est détenu par la Société Wallonne de logement. C'est eux qui décident, finalement, si tu construis ou pas du logement. Et donc, ça, en fait, c'est pas une question de bonne gestion, c'est une question de pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis d'accord que pour le moment, c'est pas bien géré, mais je crois pas que c'est lié au caractère public de société. D'accord. C'est lié, en fait, à la vision qu'on a des sociétés. Et au-delà de ça, si tu parles vraiment des directeurs de logements sociaux, tu parles que c'est effectivement à eux de construire. Je trouve qu'il y a deux problèmes, moi, dans ce truc-là. C'est que, c'est pas des promoteurs immobiliers, en général. Donc, en gros, en général, ces gens-là sont pas compétents, je suis désolé, pour construire des logements sociaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a surtout un budget qui, pour moi, est alloué. On dit, ben voilà, t'as 500 000, 1 million que
sais-je, là, t'as des millions pour construire ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que eux, le but, c'est d'en avoir le plus possible. Et pour en avoir le plus possible, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas chercher au moins cher. Et donc, du coup, bah, les logements sociaux sont au final pas des bons logements. Et donc, tu te retrouves avec enfin, c'est les serpents qui se mordent la queue, quoi. Tu te retrouves à chaque fois avec des mauvais logements, si je peux dire ça, parce qu'ils veulent en construire plus. Puis après, il y a encore des pouvoirs publics qui vont en reconstruire d'autres, mais qui seront pas bons, donc on doit les rénover. Enfin, c'est, ça a aucun sens, quoi. Mais je pense justement qu'on doit quand même être d'accord sur le fait que le parc locatif privé, il y a toujours un groupe de gens qui ne sera pas accueilli par ce parc locatif privé. Donc, pour des raisons financières évidentes, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, on prend l'exemple de la Sambrienne à Charleroi, donc ça je connais bien. Eh ben, c'est 90% d'allocataires sociaux qui sont dans ces logements-là. Ça, c'est la situation. Ces personnes-là, si maintenant il n'y avait pas de parc de Sambrienne, s'il n'y avait pas de logement social, en fait, tu les retrouverais dans la rue. Donc, ça, c'est la situation. Et, mais là où il y a un problème, et ça, les directeurs et directrices s'en rendent bien compte, c'est que si tu limites ton public à ces personnes-là, tu seras jamais dans une situation de santé économique, c'est impossible. De santé budgétaire, c'est impossible. Et donc, par contre, si tu permets le fait de pouvoir l'élargir, comme ça se passe dans les villes dont j'ai parlé, eh ben là, tu pourras avoir une meilleure gestion. Et là, tu pourras aussi, d'ailleurs, avoir une influence positive sur la qualité du logement. Par exemple, je dois reconnaître que le gouvernement wallon a fait une chose positive. Ils ont mis 1,7 milliard d'euros sur la table pour rénover les logements publics. Et donc, et ça a obligé, en fait, les logements voisins à avoir le même la même ambition de rénovation. Et donc, ça peut effectivement avoir un effet positif, vertueux, sur le prix et aussi, d'ailleurs, sur la qualité des logements. Mais c'est vrai qu'il faut alors avoir une vision derrière ça. Et ma critique, moi, c'est que le gouvernement wallon, actuellement, n'a pas de vision par rapport à ça. La promesse de construire des logements publics, c'est probablement la promesse la plus mal tenue de ces 40 dernières années. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et qui peut être bénéfique pour l'ensemble du parc et, aussi, et certainement, évidemment, pour les gens qui sont en difficulté pour avoir un logement. La difficulté pour nous, Germain, aussi, c'est de voir aussi d'autres marchés, pas forcément celui du marché immobilier, qui est géré par le public. Et quand on voit les résultats derrière, on a du mal à se projeter, à se dire que demain, le public va mieux gérer et on va avoir quelque chose en termes de qualité de service, etc., qui sera qualitatif. Donc on prend les trains, on prend tout ça. Voilà. On prend le tram à Liège. Voilà, il est temps de le mettre en Bruxelles. Par contre, quand on libéralise, on voit quand même qu'il y a des effets qui peuvent être très, très, très positifs aussi. Donc si, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu plus confiance quand même aussi au privé Je vous invite deux choses. D'abord, ouais. On pourrait être surpris du fait que quelqu'un comme moi qui est de gauche trouve que la gestion de la région wallonne est cataclysmique. Donc, ouais. Vraiment, ouais. Cataclysmique. Donc, sans aucune transparence. Donc, je prends un seul exemple. La question, par exemple, des fonds économiques qui sont distribués à des grandes entreprises, eh ben, c'est un des seuls fonds, par exemple, qui n'est pas contrôlé par la Cour des comptes. Voilà. Je veux dire, et quand moi je dis qu'il doit être contrôlé par la Cour des comptes, on a M. Borsu, libéral, qui dit non, ça ne doit pas être contrôlé par la Cour des comptes. Donc, en termes de gestion, je suis bien d'accord avec vous qu'on a un vrai problème. Par contre, je vous invite à vous renseigner sur le tram de Liège, parce qu'une des raisons pour lesquelles le tram de Liège n'a pas fonctionné, c'est à cause d'un partenariat privé, justement. Je veux dire, donc, c'est un partenariat public. La région wallonne, et de l'autre côté, c'est un consortium dont Bouygues qui est dedans, par exemple. Et donc, c'est parce que eux, ils ont revu le contrat, qu'à un moment donné, on paye maintenant des dizaines de millions en trop. Revu le contrat, mal négocié par le ministre, pour être clair. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas dire, de manière générale, quand c'est public, ça va super bien marcher, ou ça marche forcément pas. Et quand c'est privé, c'est la même chose. On est d'accord. Et alors, mais il faut pas pointer du doigt forcément le privé, il faut aussi travailler autour de la main aussi. Je ne pointe pas avec le privé. Okay. Je dis que dans le secteur de l'immobilier, comme le droit au logement, c'est pas comme le droit à aller, je sais pas moi, à Euro Disney, donc le droit au logement c'est un droit fondamental qu'on doit pouvoir garantir, on doit pouvoir avoir une bonne alliance entre les deux, et que pour le moment, quand on voit comment les prix sont en train d'augmenter, c'est au cas de nous, c'est pas la collectivité qui décide de la hauteur des prix, c'est quelques-uns qui s'y retrouvent, et si on continue avec les quelques-uns qui s'y retrouvent, on va avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir habiter, et je crois que c'est une préoccupation qui n'occupe pas que nous, ça occupe les locataires, les petits propriétaires, les gens qui voudraient avoir une maison pour pouvoir s'assurer une pension plus tard. Donc ça les préoccupe eux aussi. Et donc je pense qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas nationaliser le secteur, parce que c'est peut-être l'image qu'on a du PTB, oui, c'est pas le but. Non, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un levier public qui permet justement une régulation pour que cette économie de marché fonctionne vraiment. Parce que pour le moment, ce n'est pas ça qui se passe. Pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10% des propriétaires qui dictent leurs conditions à tous les autres. On continue le débat, on doit avancer dans l'émission, on va continuer le débat en commentaire de cette émission, sur le WhatsApp aussi, je suis sûr que Germain ira faire un petit tour de temps en temps, puis s'il regarde notre émission aussi, ouais, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. surtout que Germain a dit qu'il a envie de faire évoluer le programme aussi avec les gens du secteur, donc allez-y, commentez, faites des propositions et nourrissez le programme du PTB, même s'il est déjà bien chargé, il est déjà très très chargé. 1300 propositions. Ouais, c'est pour ça qu'il faut continuer à avancer dans ces missions, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. C'est le moment du dossier des chroniqueurs. Ils ont voulu mettre les projecteurs sur une mesure, Anthony. C'est une mesure qui fait peur.
aux investisseurs? Évidemment, puisque justement on parlait justement de diminution de rentabilité, etc. Forcément, ça fait peur. C'est la taxation des loyers, quoi. Quel est le aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous faire un petit contexte aujourd'hui? Les revenus sont pas taxés? Alors, on va dire, pour l'expliquer simplement, c'est pour ça que je le dis de manière très simple à chaque fois. Je dis que en Belgique, les loyers sont quasiment pas taxés. Pourquoi? Parce que en tout cas, quand on a une deuxième habitation, il y a juste le revenu cadastral indexé, et donc du coup, tout ce qui est à côté, je veux dire, allez, c'est rentré dans ta rentabilité. Donc en gros. Donc quelqu'un qui a 10 maisons, qui chope 10 loyers, il n'est pas taxé sur là-dessus. Si, revenu cadastral indexé, donc si tu as quand même une grosse. S'il ne loue pas à un professionnel. Donc s'il loue à des ménages, à des gens qui habitent, privés, des personnes privées, il n'est pas taxé sur les loyers réels qu'il perçoit. Ok, et donc il y a cette fameuse taxation des loyers dont on parle parfois un peu, qui est étudiée notamment par le CDNV en Flandre, qui a demandé qu'on étudie la faisabilité de cette mesure. On en est où avec le PTB sur la taxation des loyers? C'est une mesure que vous n'allez pas trouver dans notre programme, mais c'est effectivement une mesure qui fait débat. Donc la situation actuelle, effectivement, c'est que les gens sont taxés sur une forme de loyer théorique. Donc en fait, fictif et complètement délirant, obsolète. Voilà, obsolète, donc sur un revenu cadastral qu'il faut indexer, puis après une majoration de 40%, et donc c'est là-dessus qu'ils sont taxés. Et ils sont taxés sur ce chiffre-là et pas sur les loyers réels. Il y a eu une étude qui a été faite notamment, et j'ai pas de problème à le dire vu que c'est pas mon parti qui l'a faite, je veux dire, par le gouvernement wallon et par en fait le Parti socialiste qui était à l'époque effectivement à la manette par rapport à cette thématique-là. Et on constate deux choses. D'abord, en fait, on constate que les choses sont pas linéaires. Donc si on devait aboutir à une taxation des loyers, en fait, il y en a qui, effectivement, y perdraient au change, mais il y en a qui gagneraient au change. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de taxation proposé n'est pas le même que le niveau de taxation actuel. Et donc, justement, de manière particulière, les plus petits propriétaires auraient tendance à gagner au change, en fait, si on taxe les loyers. Parce que l'idée, c'est de dire, au lieu de taxer au taux actuel, on taxerait à 25%, 20%, même moins. Donc, dans le cadre de la taxation des revenus. Donc, en fait, c'est une mesure qui peut faire peur, mais moi, j'entends, effectivement, certains propriétaires, quand ils font un peu leur petit calcul, ils disent, en fait, c'est peut-être pas totalement inintéressant. Encore une fois, comme on l'a dit pour la première mesure qu'on a discutée, c'est la question de comment tu l'appliques. Comment tu vas l'appliquer? Parce qu'une des réalités, en tout cas, c'est qu'actuellement, le niveau de taxation, il est basé sur quelque chose de complètement virtuel, en fait. J'ai l'impression qu'Eric voit rouge. Pas du tout. Non, mais c'est bien le rouge. J'avais dit qu'il fait ça avec mou, dubitative. Là, j'ai vu Amy dire ouh, oh, bah, oh, pourquoi pas. Non, mais expliquer comme ça, c'est intéressant. Mais en fait, le truc. C'est moi qui posais la question. Ouais, mais c'est pas, je peux répondre quand même. C'est comme ça. Mais est-ce que, pour donner un peu les coulisses, il faut savoir qu'on a un peu travaillé ensemble et qu'on a regardé justement certaines mesures qui étaient abordables, enfin, qu'on allait aborder aujourd'hui. Ici, Germain, le truc, c'est du coup ton calcul, ou est-ce que tu as une idée justement de comment tu veux taxer ça? Parce que dire ok, on veut faire ça pour les plus petits propriétaires, ça pourrait être intéressant. Ok, dans quelle c'est mesure? C'est l'étude qui dit ça. Comment est-ce que tu... Non, oui, d'accord, mais il y a des calculs aujourd'hui qui existent, ou en tout cas des propositions de loi qui ont été faites justement pour taxer ces loyers d'une certaine manière. Et est-ce que le PTB a un calcul en tête? Non, mais je vais être totalement honnête, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on l'a pas intégré dans notre programme. Donc, en fait, nous, on a intégré, par exemple, une autre question qui est liée à ça, c'est la globalisation des revenus, en termes fiscales. Ok. Et donc, ça voudrait dire que si on va jusqu'au bout du raisonnement, ces loyers seraient dans ces revenus, et donc seraient effectivement taxés. Ça, par contre, je suis pas d'accord du tout, tu vois. Ça, c'est le genre de truc. Quand on creuse un peu. C'est pour ça que je pose la question. Et donc, je le dis honnêtement, donc on n'a pas du tout intégré cette réflexion dans notre programme. Donc, je dis, parce que je ne veux pas faire la langue de bois, je sais que cette réflexion, elle est sur la table, et je vois effectivement que quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a deux visions des choses, quoi. Soit ça va être effectivement une taxation en plus qui va s'ajouter au reste et qui va faire que les gens vont être dans un déficit de revenus, soit, et c'est d'après les chiffres, pas les miens mais ceux du gouvernement, de dire à un moment donné, en fait non, en fait apparemment il y a une couche de propriétaires plus modestes qui eux vont gagner au change. Tout dépend du taux de taxation qu'on va appliquer effectivement à ces loyers. Et je ne vais pas te dire que j'ai une idée, on n'a pas d'idée de ça. Alors justement, il y a une proposition de calcul qui est faite de dire que on prend les loyers perçus par un propriétaire, on les globalise, on retire de ça 30% pour les frais d'entretien, etc., précompte, enfin voilà, tous les frais forfaitaires, un peu comme on fait les frais forfaitaires. C'est 6 000 euros, c'est ça? Non, 30%. Et puis on retire encore une fois 6 000 euros et on taxe ce qui reste à 25%. Ce qui veut dire que pour celui, un petit calcul, celui qui perçoit un loyer de 1 000 euros par mois, ouais. 12 000, tu retires 30%, donc 3 600, il reste 8 400. Tu retires encore 6 000, il reste 2 400. 25%, ça fait 600 euros, ça fait 50 euros par mois.
Donc un propriétaire d'un bien, ça va. Celui qui possède 5 biens ou 10 biens, évidemment, c'est pas linéaire puisque les 6 000 euros ne sont retirés qu'une fois, dans le calcul. Et donc, évidemment, ça devient exponentiel. Et moi, je trouve que ça tient pas trop mal dans une optique de taxation juste des loyers. Dans cette formule-là, alors, on ne globalise pas. Est-ce qu'on continue à taxer via le revenu cadastral ou pas? On ne globalise pas. Donc, c'est quoi? Ça m'intéresse. L'idée, ce serait ça. On oublie le revenu cadastral et on se focalise sur. Ils en parlent quand même. Donc, il faut voir, c'est une proposition. C'est une simulation du ministère des Finances. Hein, et là, du coup, je te rejoins. Là, effectivement, la majorité des multipropriétaires, allez, je veux dire, lambda, si je peux dire, ou normaux, là, par contre, effectivement, alors, ils n'y gagnent pas, mais c'est correct. On reste dans quelque chose de raisonnable, exactement. Mais c'est le calcul dont j'avais entendu parler, effectivement. Je crois même que c'est le calcul qui a été repris dans l'étude. Oui, mais on va changer de dossier, les amis. Il vous a donné un bâton pour se faire frapper. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est celui de la globalisation des revenus. J'ai rien fait. Sur la taxe sur les loyers. Et là, il est détendu, puisque lui, dans son truc, il dit c'est pas dans mon programme, je m'en fous. Mais il dit moi, je vais intégrer ça dans la globalisation des revenus. Alors, challenge Germain là-dessus. Il dit quand même, on globalise, on va mettre ça dans la globalisation. C'est ça que moi, j'ai envie de savoir. On globalise très bien. Du coup. Le MR, il n'était pas contre. Georges Louis, on lui a posé la question de la globalisation. Il a dit, je suis pas contre. Tant que. Mais donc moi, j'ai envie de savoir quel est le taux alors de Germain. Non, mais ça c'est. Le débat sur la globalisation des revenus, il est un peu différent de celui-ci. Donc, parce que sur ce débat-là, très concrètement, c'est ce type de calcul dont j'avais entendu parler. Ouais. Et moi, je pense que ça c'est intéressant. Mais alors, tu globalises pas du coup. Mais tu globalises pas, oui, c'est séparé. Les revenus, hein. Germain, tu ne globalises pas. Mais là, vous parlez d'un seul revenu. Donc, la globalisation des revenus, c'est pour nous la réponse, notamment à ceux qui, pour le moment, peuvent vendre des tas d'actions, OK, sans en payer 1% d'impôt. Donc, c'est deux débats un peu différents. Donc, on a un débat tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la fiscalité globale. OK. Et donc, nous, on veut effectivement, clairement, on veut une réforme fiscale. Mais cette réforme fiscale, elle ne vise pas les petits propriétaires. Cette réforme fiscale, elle vise 50 000 familles qui ont 640 milliards d'euros de patrimoine et qui, pour le moment, ne paient pas d'impôts. C'est d'eux qu'on parle quand on parle, effectivement, d'avoir une réforme fiscale. Et donc, il y a l'élément, effectivement, de cette taxe des millionnaires. Il y a l'élément des niches fiscales dont, en fait, la majorité des gens ne profitent pas, dont quelques-uns peuvent en profiter. Et alors, il y a effectivement la question de certaines transactions ne sont pas taxées comme le revenu, comme le loyer. Donc, la question de pouvoir, à un moment donné, vendre 600 millions d'actions en payant 0% d'impôts. C'est de ce point de vue-là qu'on parle évidemment de globalisation des revenus. Je veux dire, c'est pas du point de vue effectivement de la taxation des loyers. Oui, alors, mais à un moment donné, il faut. Vas-y, alors, c'est le moment que j'attendais. Voilà, tu me l'offres. Merci. Cadeau. Non, mais alors on s'écarte un peu de l'immobilier, mais je voulais quand même répondre à ça. Là, évidemment, il y a la question de la plus-value sur les actions. Et on parle évidemment d'une taxation, le capital, où les plus-values ne sont pas taxées aujourd'hui. Dans la gestion en bon père de famille, mais enfin, vendre des millions d'actions, est-ce que c'est encore le bon père de famille? Moi, je dis simplement, je pose la question, tu taxes la plus-value, évidemment, tu exonères la moins-value. Parce que quand on investit dans des actions, on peut aussi perdre. Oui, bien sûr. Et donc, je veux dire, c'est pas juste que... tout le monde ne fait pas toujours banco, hein. Je veux dire, un entrepreneur, j'en suis la preuve vivante, peut aussi parfois perdre de l'argent, et parfois beaucoup d'argent. Et donc, c'est vrai que quand on revend une entreprise, on fait un bénéfice. Mais alors, on est d'accord qu'on exonère tu exonères les moins-values ? Mais j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Parce que je veux quand même être clair sur qu'est-ce qu'on vise avec ça. En Belgique, si on est travailleur, travailleuse, indépendant ou indépendante, c'est l'enfer fiscal. Ça, c'est la réalité. Je confirme. Donc, Tout ça, on est d'accord. Oui, on est bon. Donc, c'est ceux qu'on vise. Et donc, il y a tout le débat maintenant sur ah oui, mais bon, le PTB vise. Nous, on vise 1% de la population qui, actuellement, parce qu'ils ont une armée d'avocats fiscalistes, parce qu'ils ont des comptes aux îles Caïmans ou aux îles Vierges, ne payent pas d'impôts. C'est eux qui sont visés par rapport à ça. Par exemple, quand je parlais effectivement des plus-values, bah, la famille de Mme Bertrand, par exemple, secrétaire d'État, bah, sa famille, vous savez qu'ils sont aussi dans les affaires, ils ont fait des centaines de millions d'euros de plus-values. En vendant une entreprise, là-dessus, c'est 0% d'impôt. Oui, c'est de ça qu'on parle. Alors évidemment, s'il faut prendre des mesures correctives, donc des mesures de correction, pour éviter qu'une mesure globale qu'on propose pour toucher le pourcent touche finalement une autre cible, je veux dire, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'à un moment donné, vous avez tous suivi le débat, pourquoi le PTB, il veut finalement 5 millions au lieu d'un million. Vous avez suivi le débat, là. Eh bien, pourquoi on l'a fait? Parce qu'on s'est rendu compte
avec les chiffres de la MNB à l'appui, qu'en fait, si on veut taxer à partir de 1 million, on touche 10% de la population. Et nous, on veut toucher ce point de la population qui, justement, a la possibilité actuellement de ne pas payer d'impôts. Le discours, on l'entend et on pourrait le rejoindre. Maintenant, quand on analyse vraiment toutes les mesures, c'est bien beau de dire, nous, on ne veut pas toucher la classe moyenne, on ne veut pas toucher machin, mais on a quand même l'impression que ces mesures vont impacter aussi la classe moyenne. Est-ce que ça va être si facile dans la pratique de dire, on va mettre tout ça en place, mais en fait, on va cibler que ces gens-là et ça n'aura pas d'impact sur... Ben justement, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que à chaque fois qu'on vient dans le débat public avec une taxe des millionnaires, que ce soit en Belgique ou en France par exemple, eh ben ceux qui sont contre, ils disent « Ouais mais bon, ça va pas être facile, hein, ça va toucher tout le monde, on va aller voir dans ta cave, etc. etc. » C'est pas... Non, en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Vous et moi, quand on remplit une déclaration d'impôt, on va sur TaxOnWeb et tout y est. C'est vrai. Ouais. Tout y est. Nous, ce qu'on veut, c'est un fortune on web. On veut un fortune on web. Donc ça a fonctionné pendant 28 ans en France. Hein. Pendant 28 ans en France, il y a eu effectivement l'impôt sur la fortune qui touchait justement les patrimoines les plus élevés. La seule raison pour laquelle ils l'ont retiré, c'est parce que la droite est venue au pouvoir. Pendant 28 ans, ça a fonctionné. Et donc nous, on veut pouvoir le mettre ici. Et alors oui, d'accord, techniquement, ça posera peut-être des problèmes. Oui, d'accord, on devra peut-être corriger en cours de route. Pas de problème avec ça. Il y a un risque de fouiller des capitaux aussi. Non, mais d'abord, je suis pas complètement persuadé qu'en France, ça a réglé le déficit national. Bon, ok, c'était non, à mon avis, c'est plus symbolique qu'autre chose. Ah, ça, je ne crois pas, mais ils avaient un gros déficit. Voilà, c'est ça, quoi. Deuxièmement, moi, je pense que j'ai un peu un doute sur le fait que la petite Belgique puisse mettre ça en place, parce qu'effectivement, ils sont, les gens qui sont dans, dans la cible de cette mesure sont en général des organisations internationales avec des entreprises, c'est compliqué, c'est des montages financiers extrêmement, on va dire, techniques. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir comme ça faire un cadastre des grandes fortunes de manière précise? Je suis pas persuadé. Troisièmement, ces gens, je veux dire, quand on a un patrimoine en action, par exemple, on ne l'encaisse que quand on vend ses actions. Je veux dire, la bourse, ça monte, ça descend. Bien sûr, ouais. On peut prendre l'exemple de Mitra, par exemple, qui est un exemple iconique. Mitra, c'était une pépite belge qui valait des millions, des millions, des millions. Aujourd'hui, l'action Mitra, elle vaut 30 cents. Voilà, on va taxer un type sur un cours de bourse parce que ça a augmenté. Il n'est pas plus riche. Enfin, oui, il a théoriquement un patrimoine plus important, mais il n'est pas spécialement plus riche. Il n'y a pas plus d'argent à la banque. Donc, ça me paraît un tout petit peu injuste et un tout petit peu, on va dire, confiscatoire. Voilà. On dirait quoi ? Donc, ouais, Germain, vas-y. Non, la situation qui est injuste, c'est la situation qu'on a décrite tantôt. C'est qui paye l'impôt en Belgique ? C'est ça qui est injuste. Ce qui est injuste, c'est qu'effectivement, actuellement, les vaches à lait du système, ce sont les travailleurs, les travailleuses, les indépendants. C'est ça qui est injuste. Ça, c'est un élément. Le second élément, c'est que sur la fuite des capitaux, faut pas me croire moi. Faut croire la Cour des comptes française et la Cour des comptes belge. Donc la Cour des comptes française a fait une étude sur l'ISF. Il y a eu une fuite des capitaux, avec un chiffre horrible, de 0,09% de fuite des capitaux. Voilà ce qui s'est passé pendant 28 ans. Et donc quand le bureau du plan, parce que le bureau du plan, vous savez, parce que si en plus dans cette émission on aime bien les chiffres et les données, donc le bureau du plan, il est chargé d'étudier le programme de tous les partis politiques. Okay, et donc il a étudié effectivement notre programme aussi. Et il dit quoi? Il dit que si on tient compte de la base fiscale qui existe en Belgique, si on tient compte de la fraude fiscale, parce que c'est aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, si on tient compte de la fraude fiscale et si on tient compte de la fuite des capitaux, la proposition du PTB va rapporter des milliards. Et troisième élément, c'est que je ne prétends absolument pas, évidemment, qu'avec ça, on a tout réglé. Oui, parce que l'ISF en France n'a pas rapporté des milliards. Ça a été un gros flop aussi. Hein. Ah bah, en fait, ça a été un gros flop. Pourquoi? En fait, il faut regarder l'histoire de l'ISF. Ça a été un gros flop parce que la droite a voulu attaquer, effectivement, cet impôt. Et au lieu, justement, de le supprimer, elle a mis plein d'exceptions, en fait. C'est comme ça que cet impôt, au début, a rapporté beaucoup. Et puis, finalement, a rapporté beaucoup moins. Et donc, en fait, la question, effectivement, c'est, moi, je ne suis pas en train de dire que ça va tout résoudre. Pas du tout. Je dis que c'est juste le fait que l'impôt n'est pas payé par ceux qui ont les épaules les plus larges. Ouais. Et que de ce point de vue-là, supprimer les niches fiscales, de le faire de manière intelligente, mais supprimer les niches fiscales et organiser un impôt sur la fortune, c'est légitime. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Dans certains pays, même les riches le disent. Tu as parlé de l'Allemagne tout à l'heure pour un autre débat. En Allemagne, il y a eu une pétition où c'est les riches qui disaient « Imposez-nous ». Taxez-nous, oui. Taxez-nous, voilà. Donc taxez-nous. Parce qu'en fait, ils se rendent compte quoi. Et le patron de Colruyt en Belgique aussi a dit « Je suis ouvert à ce qu'on taxe ». Mais oui, donc même une partie du patronat est en train de se rendre compte de l'inégalité, de l'iniquité qu'il y a actuellement en Belgique. En 20 ans, quand tu regardes ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, tout ce qu'on produit, la richesse qu'on produit, en 20 ans, on est passé de 10% en moins vers les salaires et de 10% en plus vers les dividendes. Donc à un moment donné, il faut juste faire un choix. Mais les dividendes sont taxés, hein.
Oui, bien sûr. Ils sont taxés à 30%. Mais pour dire que les... Alors, les dividendes, donc une entreprise fait des bénéfices, elle est taxée à 34%. Et les dividendes de ce qui reste, la partie qui est redistribuée, est taxée à 30%. Ouais. Donc on ne peut pas dire que les dividendes ne sont pas taxés. Il ne faut pas non plus être, caricatural. Non, parce que je parle bien dans le micro, s'il te plaît. Oui, ce que je voulais surtout dire, c'est que je prends un autre chiffre. En 2000, il y avait 1 milliardaire en Belgique. C'était pas moi. C'était pas ton nom. C'était pas ton nom. Non, pas encore. En 2024, il y a 41 milliardaires. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais en fait, c'est les deux. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle sur le plan économique, bien sûr. Mais le fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est Oxfam qui le dit, que le fossé entre les riches et les pauvres est en train de grandir en Belgique aussi, et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a 1% de la population en Belgique qui détient 74% du patrimoine des plus pauvres. Je veux dire, il y a une inégalité qui est flagrante. Et c'est par cette mesurette, parce que c'est pas, on n'est pas en train de confisquer la fortune des gens, mais par cette mesurette de 2% ou de 3% sur l'ensemble de la fortune, on se dit, oui, c'est une mesure correctrice qui est minimale. Anthony. Et tu penses pas que, justement, le fait que, qu'il y ait beaucoup d'avantages, d'après ce que tu dis, effectivement, pour les riches, etc., qu'à un moment donné, si tu dis, vous savez quoi, on va commencer à taxer, peut-être un peu trop d'ailleurs pour ces riches-là, qu'ils vont délocaliser, donc du coup, tu vas avoir une perte du travail. Les deux seuls éléments sur lesquels je peux me baser, c'est un, les études qui existent actuellement par rapport à là où ça existait. Donc comme je l'ai dit, ça existait pendant 28 ans en France et ça n'a pas eu l'effet justement de fuite qui avait été prévu par la droite. Mmh. Ça n'a pas eu cet effet-là. Les seuls Français qui sont venus, ils sont venus surtout pour des questions d'héritage plus que des questions de fuite de l'impôt sur le patrimoine. Ça c'est un élément, ça c'est l'effet. Et l'autre élément, c'est... Est-ce qu'on va continuer comme ça? En fait, ça, c'est le débat aussi. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Parce que tout à l'heure, on parlait de la taxation sur les loyers, on parlait de tout ce que les propriétaires, et vous parlez de ça souvent, d'ailleurs, tout ce que les propriétaires doivent payer en termes de taxation. Ouais, mais donc, si à un moment donné, on fait une proposition de glissement fiscal vers ceux qui ont le plus d'argent, alors on va continuer, effectivement, à s'appuyer toujours sur les mêmes épaules. Germain, tout à l'heure, tu parlais de l'absence de vision. Et c'est vrai que la vision... parfois plus que les mesures, c'est ce qui donne aussi une direction. Et c'est vrai qu'en tapant toujours un peu et en pointant les riches et en tapant même les entrepreneurs de manière générale, parce que souvent dans les discours, parce que il faut communiquer, il faut parfois être clivant pour sortir du lot et être vu, entendu. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque d'être contre-productif en pointant toujours du doigt ceux qui finalement créent aussi beaucoup de valeur et beaucoup de richesse? Moi, c'est un peu ça aussi qui me gêne parfois dans les discours qui sont tenus, c'est que on est complètement d'accord qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une justice fiscale. Et que ceux qui gagnent le plus contribuent un peu plus, et c'est pas normal qu'ils payent beaucoup moins d'impositions. Mais en tenant toujours ce discours-là, effectivement, il y a plein de potentiels investisseurs venus aussi de l'étranger qui aimeraient bien venir en Belgique, mais par ce climat de défiance, de méfiance vis-à-vis de ceux qui, alors ils n'investissent pas. Et donc à un moment donné, on peut avoir aussi une machine économique qui va se ralentir, et finalement tout le monde va y perdre dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on est, on est confronté à quelque part de la concurrence entre les pays au niveau de l'accueil. Si on prend l'Irlande, qui est un pays européen quand même, au niveau de l'imposition là-bas sur le travail, c'est beaucoup moins. Donc il y a beaucoup d'entreprises, tous les centres des Google, des Facebook, etc., des grandes entreprises américaines, tous les sièges sont à Dublin. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus avantageux là-bas. Donc c'est clair aussi qu'il y a cet aspect un peu de négociation, j'ai envie de dire, des grands groupes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que 75 à 80% du tissu économique belge, c'est pas Mittal et ses potes, ou Elon Musk, justement. Ce sont des petits entrepreneurs, des PME qui galèrent pour engager. Engager un salarié dans une PME, c'est un risque énorme pour une petite PME, pour un artisan, pour quelqu'un. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi, à un certain moment, tenir compte de ça. Et j'ai parfois l'impression que c'est un peu clivant pour les patrons, et voilà. Mais bon, de ce que je t'entends dire, tu nuances quand même un peu. Mais c'est important ce que tu dis. Ce que tu dis aussi, d'ailleurs. J'essaie d'être pertinent de temps en temps. C'est rare, mais... Non, c'est important parce que, justement, cette année, plus que les autres années, on est sollicité par les indépendants. Donc, qui nous demandent de venir à des débats, qui nous demandent, effectivement, de pouvoir contribuer, en fait, finalement, à la discussion électorale générale. Parce qu'ils constatent quoi? Eux-mêmes constatent cette inéquité fiscale. Parce que tu as tout à fait raison. Donc, ceux qui sont en train de créer la richesse sont les travailleurs et les travailleuses, et aussi tous ces indépendants, et les entrepreneurs qui sont effectivement aux mains de l'économie. Et évidemment, c'est même plus intéressant pour nous d'investir dans ces indépendants que d'investir dans ceux qui vont délocaliser, pour être clair. Donc, de ce point de vue-là, on se rejoint là-dessus. Et justement, eux-mêmes parlent d'iniquité fiscale, parce que eux sont effectivement surchargés de charges, et on a un gouvernement qui dit « Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, on a taxé les millionnaires. » Ils ont fait quoi? Ils ont taxé ce qu'on appelle les comptes-titres. Donc, les comptes-titres, c'est 450 millions d'euros. Ça a rapporté 450 millions, une bagatelle par rapport à ce qu'on a besoin. Soit, ok. Mais qui est touché par les comptes-titres?
Mais pas les milliardaires. Hein. Les milliardaires, ils ont des actions nominatives. Ceux qui sont touchés par les comptites, c'est justement cette classe moyenne dont on est en train de parler maintenant. Mmh. Ce sont les indépendants qui ont un peu réussi. Même des agriculteurs qui ont parfois des patrimoines un peu importants. Et donc justement, nous, on veut concentrer tout le débat sur la portion des gens qui ne contribuent pas. Et alors juste un dernier élément, c'est que qu'est-ce qu'on constate actuellement ? Et c'est lié à ce que tu viens de dire. On constate que tout l'argent qui va effectivement dans ces dividendes, si au moins il allait à des investissements, mais c'est pas ça qui se passe. C'est thésaurisé. Donc là, je parle des tout gros, évidemment, pas des indépendants. Oui, mais c'est toujours eux dont on parle. Je parle vraiment pas d'entrepreneurs en général et vraiment pas des petits indépendants, mais de ceux qui thésaurisent effectivement un maximum effectivement de moyens et qui ne contribuent pas à l'ensemble de la société. Mais c'est ça qu'on parle. Mais d'un côté, justement, pratique, c'est ça, je trouve, qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, je trouve, c'est de pouvoir différencier les. Enfin, à partir de quel moment est-ce que tu es riche ? À partir de quel moment est-ce que tu dois payer plus qu'un autre ? Et où tu t'arrêtes ? Et surtout, comment est-ce que, d'un côté pratique, tu arrives à différencier ça ? C'est quasiment... Donc, très rapidement, on va devoir terminer l'émission tout doucement. Donc, en France, ils ont fait un impôt déclaratif. Okay ? Donc, ça veut dire effectivement que les gens devaient faire le choix entre « je dis la vérité » comme on est tous en train de le faire quand on fait notre déclaration d'impôt ou « je fraude ». Okay. Et donc, ils ont fait un impôt déclaratif qui a fonctionné pendant 28 ans. Ça, c'est un élément. Second élément, tu as raison, il faut une barrière à un moment donné. C'est pour ça qu'on a choisi 5 millions d'euros. Pour ne pas toucher l'agriculteur, pour ne pas toucher le gros indépendant, donc on a choisi 5 millions d'euros. Et dernier élément, en fait, on sait très bien de qui on parle. Il y a 50 000 familles en Belgique qui ont, en fait, eux, une fortune moyenne qui est au-dessus de 6 millions d'euros. Okay. Et ces gens-là, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ont un patrimoine de 680 milliards. C'est de ça qu'on parle. C'est très concret. Très concret. Et alors, évidemment, si on a des problèmes techniques pour voir après à la rencontre et à la mise en place de cette mesure, on va devoir les résoudre. Mais c'est de ça qu'on parle. Et si eux ne payent pas des impôts, si eux ne payent pas, c'est nous qui les payons. On a fait un peu de hors piste. On est sorti On a glissé. Mais voilà, il y a des belles mesures. Comment on les finance? Ça passe par aussi ces sujets-là qu'on a abordés maintenant. On va quand même répondre aux questions des internautes et de la communauté. On va terminer par la Germaine. Il y a une magnifique urne. Ce ne sont pas des bulletins de vote pour le PTB cachés dedans. Une main innocente. C'était sûr. C'est vraiment les questions d'Instagram, de YouTube. Moi, je ne fais que puiser, moi. Voilà. Elodie. Dis bonjour, Elodie. Bonjour, Elodie. Qui demande quid des expulsions ? Une question laconique mais précise. Et indirectement, on pourrait peut-être évoquer alors rapidement aussi le moratoire hivernal, qui est un vrai sujet aussi. Quid des expulsions ? Tout à fait. Et évidemment, elle parle aussi de ses propriétaires, j'imagine, petits propriétaires qui ont besoin d'avoir leur loyer pour pouvoir rembourser leur crédit. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un mauvais payeur ? Mais donc, il y a deux éléments là-dedans. Le premier élément, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc, si on veut pouvoir, à un moment donné, prévenir le sans-abrisme, prévenir les personnes qui sont dans la rue, on doit d'abord éviter qu'elles perdent leur logement. Parce que, en fait, une fois que tu as perdu ton logement et tous les éléments aussi de structuration qui existent quand tu as une maison, c'est beaucoup plus compliqué de revenir, en fait, finalement, dans le monde des personnes qui ont droit à un logement, dans le circuit, comme tu dis. Et pour les huissiers qui vont toquer au port des propriétaires qui ne remboursent pas leur crédit, on fait quoi pour eux? Non, mais ça c'est un élément. Ouais. Second élément, c'est que nous, par exemple, on a effectivement proposé, comme dans d'autres pays, qui est une trêve hivernale, qui est un moratoire hivernal. Mais en fait, comme dans d'autres pays, il y a une compensation pour le propriétaire. Et donc, c'est ce qui se passe en France, par exemple. Oui, c'est en ce que Nawal Benhamou, qui est venu ici, nous a dit. Mais ce fonds, on l'attend toujours, on ne comprend pas très bien dans quel délai. Et il y a aussi une déresponsabilisation des locataires aussi, qui potentiellement pourraient se dire, moi, en hiver, je suis tranquille, de toute façon, c'est l'État qui va payer, donc pendant 3, 4, 5 mois, je ne rembourse pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de nouveau, en termes de communication, de vision, un couac ? Non, mais justement, il y a deux problèmes à résoudre. C'est un, le sans-abrisme. Ouais. Deux, comment on fait pour préserver les petits propriétaires. Ouais. Et donc, nous, on a mené ce débat, par exemple, au niveau de la région Wallonne, de dire à un moment donné, il faut avoir une analyse sérieuse de ce que c'est que le propriétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est en train de parler de propriétaires de type différent. En fait, la région Wallonne n'a pas voulu faire cette étude-là. Nous, on veut que cette étude, elle existe. Ça existe un peu mieux à Bruxelles. Il y a plus de données à ce niveau-là à Bruxelles. Ça ne m'étonne pas qu'ils ont avancé un peu plus par rapport à ça. Parce qu'on doit pouvoir distinguer le propriétaire qui va avoir besoin d'aide de celui qui n'aura pas besoin d'aide. Et celui qui va avoir besoin d'aide, il faut qu'il soit aidé. Parce que sinon, ça veut dire que c'est lui qui doit porter la charge sociale, en fait, qui n'est pas portée par, finalement, l'État. Ça, c'est un élément. Mais le troisième élément qui est super important, c'est que quelle que soit la mesure que l'on prend, les personnes qui sont en difficulté doivent être accompagnées. Parce que si elles ne sont pas accompagnées, de toute manière,
À un moment donné, ce qui va se passer, c'est la déresponsabilisation, par exemple, ou même la déconnexion, parce que parfois, on a aussi ce phénomène psychologique que les gens, à un moment donné, face aux difficultés, déconnectent, n'ouvrent plus les enveloppes, n'ouvrent plus les factures. Très concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut un accompagnement. Moi, je vois, par exemple, une expérience intéressante, et je le dis à l'aise, c'est pas moi qui l'ai fait, donc à Charleroi, par exemple, où je vois que le président, qui est pourtant socialiste, donc pas de mon parti, il est pourtant socialiste. Il est pourtant socialiste, c'est ça. Il va pas aimer que je dise ça. Mais en tout cas, mais il va aimer la suite. Parce qu'il a mis en place, en fait, un accompagnement justement des personnes qui sont en difficulté avant d'arriver justement à l'expulsion. Très important. Mmh. Dès qu'il y a effectivement... Mais ça existe quand même avec les médiateurs, les CPS, il y a quand même des services qui s'occupent de ça. C'est super léger, c'est super léger. Là, il a fait un service proactif. Et d'ailleurs, il y avait intérêt puisqu'il voulait éviter les impayés dans sa société. Oui. Et il constate quoi? Il constate effectivement que les impayés ont diminué de moitié suite à cet accompagnement. Donc c'est vraiment les trois éléments qu'il faut. Il faut effectivement un moratoire, il faut de l'aide pour les propriétaires et il faut un accompagnement pour les personnes en difficulté. Moi, j'ai deux problèmes par rapport à ça. Moi, je suis contre le moratoire, comme je l'ai dit la semaine passée à François. Je crois pas qu'un propriétaire se lève le matin en se disant « Chouette, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, je vais expulser une famille. » Ah non, non, bien sûr. C'est un échec. Mm-hmm. Il faut aussi pouvoir concevoir qu'il y a des locataires qui sont indélicats. Il y a des propriétaires qui sont marchands de sommeil. Il y a des locataires qui sont malhonnêtes, qui sont indélicats, qui n'entretiennent pas, qui ne payent pas leur loyer, etc. Mais ils ont le dernier écran, pareil, le truc, et le dernier iPhone. C'est évidemment une exception. Hein. Je caricature pas. Enfin, je caricature un peu. Mais voilà. C'est ça. C'est une exception. Mm-hmm. Mais ça existe. Et donc. Première chose, c'est un partenariat locataire. Toi, tu t'entends bien avec ton propriétaire. Oui, tout à fait. François de Smet est propriétaire, s'entend très bien avec ses locataires. C'est un partenariat qui fonctionne bien. Et en général, c'est comme ça. Mais parfois, il faut pouvoir se dire, OK, on ne met pas la personne dehors. On doit mettre la personne dehors parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on a quelqu'un en face de soi qui n'est pas correct. Et la deuxième chose, c'est en hiver, je veux dire, regardons la météo en Belgique. Parfois, on a la drache nationale pendant un mois en juin, c'est pas terrible non plus, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de mesures d'accompagnement pour éviter que ça se passe. Mais quand on a passé le point, malheureusement, c'est une mesure qu'on doit pouvoir appliquer. Et si vous croyez dans l'accompagnement et dans le fonds qui pourrait aider les propriétaires, pourquoi mettre un moratoire? Parce que s'il y a de l'accompagnement et s'il y a de l'aide, bah, il n'y a pas d'expulsion, logiquement. Alors pourquoi mettre un moratoire qui risque justement, en termes de communication et de vision, déresponsabiliser? Anthony, tu voulais aussi réagir rapidement. Bah, je trouve aussi que dans le discours que tu tiens, il y a un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. Après, c'est mon avis. Mais t'as pas l'impression aussi qu'on va beaucoup trop materner les gens? À un moment donné, tu es propriétaire, tu es adulte, tu es censé être responsable. Alors... aider peut-être éventuellement, tiens, comment est-ce qu'on paye ses factures, comment est-ce qu'on fait un budget, pourquoi pas. Mais à un moment donné, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, peu importe que tu payes plus, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, assume les conséquences. Mais d'abord, je suis vraiment d'accord que les gens doivent être responsables. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, je suis aussi d'accord que quand quelqu'un, simplement, que ce soit dans le cadre du fait qu'il est locataire ou autre, commet un délit contre les biens d'une personne, à un moment donné, il faut prendre des mesures. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Là où, effectivement, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, c'est que les conséquences du mal-logement, les conséquences sociales du mal-logement sont énormes. Quand on perd un logement, en fait, ce qui se passe, indépendamment de ce que tu es très structuré ou pas, quand tu perds un logement, en général, tu perds tous tes repères. Et donc, ce qu'on voit maintenant dans les centres-villes, donc moi, j'habite le centre-ville de Charleroi. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens évoluer, se dégrader petit à petit, après un moment, ils ont perdu leur logement. C'est-à-dire, c'est les assuétudes, la drogue, l'alcool, la maladie. Et donc, c'est la question du basculement dans la pauvreté qui nous inquiète. Une fois que tu as basculé, pour être récupéré après, c'est hyper difficile. Et ça, c'est un mal sociétal, vraiment. Germain, est-ce que moi t'interromps? C'est pas le débat, mais je veux répondre là-dessus parce qu'il y a aussi un effet négatif à vouloir toujours assister les gens, leur tendre la main tout le temps. À un moment donné, ils ne prennent pas conscience d'eux et donc ne vont pas, ils se victimisent. J'ai vécu dans un quartier social, je viens d'une famille où on est 7-8, où ils sont tous restés dans leurs conditions parce que justement c'est à chaque fois la faute du gouvernement, la faute d'eux, et donc c'est on a aussi un effet pervers de ça aussi, de toujours aider, soutenir tout le temps. Ah oui, mais sans bien responsabiliser. Bien sûr que cet effet existe, c'est pour ça que je trouve qu'on doit accompagner, quand on n'a pas parlé aujourd'hui d'emploi par exemple, donc la question de l'accompagnement pour avoir un emploi par exemple, pour nous c'est essentiel. Donc quand on voit que le gouvernement par exemple, il a privilégié le contact longue distance via Teams ou via... Donc ça, on trouve ça complètement fou, non? Il faut plutôt pousser les gens, évidemment, à pouvoir à un moment donné prendre leur responsabilité. Pas de souci avec ça. Mais ce basculement, pour nous, il est essentiel. Ça, c'est un élément. Et le second élément, c'est que
complètement d'accord qu'il faut protéger les propriétaires concernés. Et d'ailleurs, justement, tu en parlais tout à l'heure, nous, pendant le Covid, pendant la crise du Covid, il y a eu un moratoire pendant la crise du Covid, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. En Wallonie, il s'est arrêté avant celui de Bruxelles. Et nous, on a reçu des mails, non pas de locataires, mais de propriétaires qui ne comprenaient pas pourquoi la région Wallonne ne poursuivait pas le moratoire. Des gens qui étaient confrontés au fait, un mail dont je me souviendrai toute ma vie, voilà, je m'appelle Sébastien, j'ai un locataire étudiant, et en fait, si maintenant vous ne prolongez pas le moratoire, je vais le mettre dehors. Et moi, je n'ai pas fait propriétaire pour mettre dehors des gens qui sont en difficulté. Donc, même de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Par contre, ce qui est vraiment insuffisant, c'est les mesures, évidemment, de protection des propriétaires. Donc ça, c'est vraiment totalement insuffisant. Et donc, c'est pour ça, évidemment, que nous, on a toujours lié l'un à l'autre. Donc, et, si on a les, les preuves que le locataire détruit la maison, détruit l'appartement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire aussi pour accélérer la procédure d'expulsion en ce moment-là? Mais ça, bien sûr, mais c'est ce que je dis au niveau du délit. Je veux dire, si maintenant, moi, je rentre chez moi maintenant et que je brûle mon divan et que ça brûle le plafond, j'ai commis un délit. Et donc, au-delà du délit, c'est pas forcément un délit, c'est parfois aussi un style de vie, un comportement des gens qui font des trous dans les murs, qui arrachent le papier peint, c'est évident que moi, en tant que propriétaire, je veux le sortir, ce gars-là, et ben je peux pas avec le PTB. Non, mais non, pas du tout. Pour des raisons comme ça, ça doit pouvoir être effectivement passé devant le juge de paix et prendre des mesures. J'ai pas de doute là-dessus. Le problème, les procédures sont longues. Très longue. Oui, mais le problème d'expulsion actuellement ne concerne heureusement pas, donc tu l'as dit, c'est l'exception, ne concerne hélas pas que des gens comme ça. Hein. Je veux dire, le problème d'expulsion, ça concerne des gens qui nous téléphonent et qui disent, voilà, je suis mère de deux enfants, dans un mois, je ne saurais plus payer mon loyer et je me retrouverai à la rue. Donc c'est de ça qu'on parle. Si on ne parlait que de personnes qui sont indélicates avec leur logement, je crois que le débat serait vite fini, il serait vite terminé. Mais dans le discours, ça ferait du bien, Germain, que dans le discours, de temps en temps, quand vous parlez de cette situation-là, vous parlez aussi de la situation des propriétaires, on pourrait peut-être un peu plus se retrouver dans votre programme et dans vos intentions. Ce qu'on a fait en tout cas, et peut-être qu'on ne le fait pas assez, ce qu'on a fait par exemple quand on a demandé la prolongation du moratoire, c'était à partir aussi de propriétaires qui ne voulaient pas, comme tu disais, à un moment donné, les gens ne veulent pas, ils ne sont pas contents de mettre des gens à la rue. Et donc, on a pris l'exemple de la France justement pourquoi ? Parce que là, il y avait effectivement des structures pour protéger les propriétaires, pour compenser en fait le fait qu'il y avait le moratoire. Mais c'est vrai que peut-être qu'on doit parler plus du fait qu'il y a des locataires indélicats et que là-dessus, il faut prendre des mesures concrètes. Aujourd'hui, la justice, bon, ça c'est encore un autre débat qu'on va pas aborder maintenant, mais la justice de paix est quand même très 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 lente et c'est très compliqué, hors moratoire, d'avoir... Non, bien sûr. Anthony, rapidement, tu voulais réagir sur ce sujet-là rapidement. Ouais, en fait, c'est ça que le problème en fait dans tout ce que tu dis, et en fait je trouve que effectivement on est relativement d'accord sur pas mal de choses, mais parce que je trouve que d'un point de vue concret, je vois mal comment aujourd'hui tu peux mettre tout ça en place en fait. Dans tout ce qu'on entend, dans toutes les mesures, on dit ah oui mais attends, on va taxer seulement ceux-là. Ah, pour les locataires ou pour les propriétaires, on va aider, mais ceux-là, c'est bien précis, ceux-là. Tiens, et en fait, je me rends compte que déjà aujourd'hui, il y a effectivement une lourdeur administrative et une lenteur entre guillemets dans tout ce qui se passe, et je vois mal comment on peut mettre ça concrètement en place, quoi. Deux petites choses. Chaque fois que je prends une mesure, je te dis où ça a déjà existé. Ouais, mais pas comment ça peut être mis en place. Ouais, mais donc ça veut dire qu'en fait, on n'a qu'à regarder comment ça a été mis en place, par exemple, pendant des années en France, quand on parlait par exemple de l'impôt sur la fortune, quand on parle par exemple du moratoire au niveau des expulsions avec compensation des propriétaires, ça existe aussi là-bas dans ce pays, donc ce serait intéressant de le faire, ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que là où tu as tout à fait raison, c'est que par exemple, vous vous souvenez sans doute de M. Renders. Grande personnalité politique belge, je vous reconnais, oui. Qui était ministre des Finances. Ouais. Mm-hmm. La première mesure qu'il a prise, c'est en fait de dégraisser le personnel des finances. La première mesure qu'il a prise, c'est en fait de virer des gens du personnel des finances. Ce qui n'a donc aucun sens. Puisque s'il y a bien un service public qui rapporte de l'argent, c'est bien le ministère des Finances. Normalement, c'est ça que c'est efficace. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Il a acheté quelques ordinateurs aussi, parce que ce n'était pas du tout informatisé. Il a fait ça très tard. Il faudrait que vous invitiez ici Marco Vanès, qui est député fédéral et qui était lui-même inspecteur des finances. Il pourra vous expliquer comment ça a été définancé et comment ça a été aussi amateurisé, donc le travail des finances. Et j'ai un camarade qui est conseiller communal et qui travaille au ministère des Finances. Et il dit quoi ? Il dit on a tellement peu de moyens que c'est plus facile de contrôler les petits. Les gros. Donc voilà, en fait, il y a là aussi évidemment une prise de position qu'on prend, qu'effectivement, si on veut mettre en place les mesures qu'on propose, il y a des éléments de la gestion en Belgique où on pourra diminuer le personnel, mais il y a des éléments de gestion en Belgique où on aura plutôt besoin de personnel, parce que ça va rapporter au collectif. Une dernière question déjà, il y en a tellement dans cette boîte, on n'a jamais le temps finalement de toutes les faire. Une dernière question, Germain. Merci Elodie d'ailleurs pour la question. Oui, tout à fait. Non, c'est toi. Oui. sinon, c'est plus une main innocente, Eric. Me considérer comme une main innocente, c'est bien. Pierre, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Est-ce que le droit à la propriété doit encore exister ?
Ah oui, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ça, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que le droit à la propriété, c'est une sécurité aussi. Hein. Donc, le droit à la propriété individuelle, quand on parle du logement, c'est une sécurité d'existence. Surtout, ben, on l'a dit tout à l'heure, quand on voit, par exemple, comment les pensions sont compliquées, comment les pensions sont basses, tout à fait logique que les gens essaient de trouver d'autres ressources. Et d'ailleurs, j'ai plein d'amis qui le font. Hein, donc, ils trouvent d'autres ressources financières. Mais je pense qu'effectivement, comme tous les droits sont limités par des devoirs, simplement. Je veux dire, le droit du locataire, il est limité par des devoirs, le droit du propriétaire est limité par des devoirs, et donc voilà, à partir du moment où on a un droit, effectivement, on a effectivement des devoirs. Et si parce j'ai une seconde résidence dans les Ardennes ou à la mer, comment je vais être considéré par le PTB? Scandaleux, je devrais libérer mon logement pour quelqu'un qui n'a pas de logement, ou alors jusqu'à deux logements, c'est acceptable? Oh, tu vas être considéré comme quelqu'un qui a une seconde résidence. Okay. Et qui probablement va passer des chouettes journées dans sa seconde résidence. Okay. Non, on n'a aucun problème avec ça, bien sûr. Aucun problème. Et je vais dire aussi, tout à fait honnêtement, j'ai pas de problème avec la richesse, moi. J'ai pas de problème avec les gens qui sont millionnaires. J'ai pas de problème avec les gens ils ont travaillé ou ils ont hérité ou ils ont je ne sais pas quoi. Oui, tant qu'ils contribuent. Exactement. Tant qu'ils contribuent comme les autres. Parce que pour le moment, c'est pas les gens justement qui ont les plus larges qui contribuent. Ça, c'est la question qui se pose. Je pense qu'ils contribuent. Je veux dire, quand on crée une entreprise, qu'on engage des centaines de personnes, on contribue d'une façon, on génère des lois sociales, on génère des cotisations, on génère du précompte, on paye de l'impôt, on contribue. Il y a des gens, enfin je veux dire, on prend la famille Colruyt qui est richissime je pense. Mm-hmm. Colruyt est une boîte belgo-belge, qui engage, qui développe, qui investit, qui met des panneaux solaires, qui en plus a, je pense, une certaine fibre écologique ou durable. Voilà. Tous les grands groupes ne sont pas des types. Je trouve que c'est assez peu nuancé. Oui, bien sûr, il y a de l'ingénierie fiscale. Mais ça, je pense que si on n'a pas une réglementation européenne, minimum européenne, idéalement mondiale, mais minimum européenne, on n'arrivera pas à ça. On va pas. Voilà, je pense, Germain, t'as assez répondu là-dessus. C'est ça qui a été assez perturbant dans cette émission. C'est ça qui a été assez perturbant dans cette émission, Germain. On va pas se le mentir. Moi, j'ai le sentiment que t'as été assez convaincant. Mais c'est vrai que il y a le discours qui est tenu ici où on sent qu'il y a une volonté de vraiment cibler le sommet pour qu'il y ait plus de justice. Et puis il y a un sentiment quand on étudie la mise en place de ces mesures qu'il y a quand même un impact sur la classe moyenne. Et surtout aussi dans le discours, on sent qu'il y a un problème aussi où effectivement pour sortir du lot dans les médias, il y a une volonté de pointer du doigt certaines personnes. Aujourd'hui, vraiment, c'était un bonheur aussi de discuter avec toi parce qu'on a ressenti comme la nuance, la volonté de pas toucher forcément. Moi, je ressors de cette interview perturbée, les amis. Mais voilà, le débat. Fort déçu. En tout cas, voilà, Germain, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je crois que le débat va être intense en commentaire et on vous invite. On n'avait qu'une heure. On devait aborder plein de thèmes. On n'a pas parlé de la rénovation avec le tiers payant. Tout à fait. On n'a pas parlé de la banque publique aussi pour aider l'accès à la propriété avec des crédits plus accessibles. Il y avait tellement de mesures à aborder. On fera peut-être un second tour. Tu diras à Raoul qu'on est accueillant et peut-être qu'il viendra finalement dans cette émission. En tout cas, moi, je reviens quand vous voulez. Hein. En tout cas, voilà. Désolé si certains restent sur leur faim, mais en tout cas, la chance, c'est qu'on est sur YouTube et sur les réseaux sociaux et que donc en commentaire, on peut vraiment y aller et continuer le débat avec tous nos experts. Merci Germain, merci Eric, merci Anthony. Merci. C'est encore une belle émission coproduite avec Imo Vlan et on vous donne rendez-vous très prochainement avec Maxime Prévost, Désengagé. Continuez à suivre cette belle chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, évidemment. Ciao, ciao les amis.